Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un must-have selon moi quand on pratique des activités outdoor, tant pour sa versatilité que son encombrement, son poids et toutes les fonctions qu'il sait remplir. Aujourd'hui, je vous parle donc du poncho, qui est selon moi une base. Tant du survivalisme que les activités d'extérieur et je vais vous expliquer point par point pourquoi. Le poncho par définition est imperméable, vous protège des intempéries, augmente votre régulation thermique, peut aussi potentiellement casser les formes en guise de quand il est question de camouflage pour les activités dans la verte. Un poncho une fois tendu avec du cordage, de la paracorde, peut vous servir donc de tarpe, donc vous servir d'abri ou de tapis de sol. On peut très bien aussi se débrouiller en fonction des types de montage aussi pour en faire un excellent récupérateur d'eau, et c'est pour moi un essentiel. Ça coûte pas cher. Peu importe les modèles que vous allez sélectionner, ça peut commencer à 10 balles. Là on est sur un poncho de la marque Helicontex. Le modèle Bacha qui est disponible sur Amazon donc pour 24,90€. Comme d'habitude, 1 c'est 0, 2 c'est 1, donc j'en ai 2. Et avec deux modèles comme celui-ci, je peux tout simplement limite me passer de tarpe sur le terrain pour un bivouac de fortune, voire même améliorer en fonction des types de montage que je peux effectuer avec. Je vous reprends sur un autre plan parce que je suis couillu. C'est-à-dire que avec un poncho, honnêtement, on ressemble à rien. Et puis allez, je me lance. Hein. Tant pis, je vais foutre sur le dos et vous montrer ce que ça donne. Bon, voilà, je l'ai passé. Ce modèle-là a la particularité de disposer à l'intérieur de cordons de serrage afin de pouvoir l'ajuster. Vous voyez les plis ici qui se forment. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du camouflage, En portant la capuche, qu'on peut bien évidemment régler avec son cordon de serrage juste ici. Ce qui nous permet en position debout, en progression lente par exemple, de casser un petit peu notre forme en fonction de la manière dont on se tient. Et donc de se camoufler un petit peu mieux sur le terrain. Là on est sur un coloris multicam qui passe relativement bien, on va dire, sur toutes les saisons. Bien sûr, d'autres types de camouflage seront un peu plus appropriés en fonction des types de saisons, mais pour 24,90€, vous avez un produit qui régule votre température, vous protège des intempéries et fait très très bien le job. Alors, sur ce modèle comme sur certains autres, on dispose d'œillets. Et la particularité, c'est qu'on dispose d'œillets mâles et femelles. Ce qui signifie qu'on peut tout simplement le coupler, le jumeler avec un autre poncho pour augmenter la surface, par exemple d'un abri qu'on pourrait confectionner. On est sur les dimensions sur ce produit d'1,50 m par 2,10 m. J'en ai deux et une fois couplé, donc... Une fois qu'on a clipsé les pressions, on arrive donc à une surface de 2 par 3. 2 par 3 pour un tarp, c'est plus qu'honorable pour se confectionner un abri et pouvoir dormir dessous. On peut s'en servir aussi de réflecteur. Les matériaux utilisés craignent le feu, soyez prudents, mais réfléchissent bien la chaleur. Réflecteur, protection intempéries, régulation thermique. Camouflage, en tout cas pour ce modèle sur des terrains type forêt. Tapis de sol potentiellement, récupérateur d'eau. À partir d'un produit comme celui-ci, on peut tout simplement tout faire. Il est vraiment conçu pour. On a des œillets sur toutes les longueurs, nous permettant donc de fixer par le biais de cordage, de sardines, le poncho en qualité de tarpe. Et sur un modèle comme celui-ci, on est à 450 grammes, pochette comprise. 450 grammes, en prenant deux, pour le bivouac
je préconise, personnellement j'en prends deux, parce qu'il y en a un qui peut me permettre donc de me protéger moi-même et mes effets. Ça compte aussi pour le sac à dos, puisque son envergure le permet. Je peux très bien avoir mon sac sur le dos et le protéger des intempéries et pas avoir à me servir du sursac. Je reste moi, quoi qu'il arrive, au sec, et je peux tout à fait par exemple me servir du deuxième pour confectionner un tout petit abri. C'est parfait aussi par exemple pour poser un cul, faire une petite pause si le terrain est humide. Il suffit de le poser tout simplement et de s'asseoir et de se reposer. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, un sac poubelle de 200 litres suffisamment solide dans vos bobs, dans vos sacs de bouche ou dans vos sacs de rando, ça peut toujours être utile pour la place que ça prend, l'encombrement et le poids. Je vous conseillerais toujours de les prendre malgré tout. Mais quand on pratique l'outdoor à une fréquence assez régulière, un produit de qualité, je dirais, et un peu plus de rigueur. Alors, j'étais militaire. Je me suis engagé en 2000. Première fois qu'on m'a filé un poncho, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Les ponchos qui faisaient partie de la dotation militaire à l'époque étaient lourds. Il faut savoir que ça pesait plus d'un kilo. Les matériaux utilisés étaient très bruyants. Il n'était pas question de faire une mission Sioux discrète avec un poncho sur le dos. Le bruit, le frottement, là que vous entendez, dites-vous que ce qu'on faisait à l'époque, c'était trois fois pire. Et par contre, je peux vous garantir qu'après une marche de 40 sous la flotte, eh ben, c'était devenu mon meilleur pote, même si je ressemble à un sac à patates avec. Le but du jeu, on ne fait pas nos fashionistas, c'est pas d'être mignon, c'est de faire dans l'utile. Et là, en l'occurrence, le poncho, lui, fait dans le versatile. Une capuche, cordon de serrage, un petit réglage éventuellement pour éviter, on va éviter un maximum, on va dire, l'envergure de notre personne quand on le porte sur le dos. Abri, régulation, enfin, c'est la totale, c'est la complète pour quelques euros. Donc, voilà, moi j'en prends deux tout simplement parce que j'aime bien faire le doublon sur les fournitures qui coûtent pas trop cher parce que je trouve ça utile. Il y en a un qui peut très bien atterrir dans mon bob et l'autre qui va traîner, par exemple, dans mon... Ça peut tout à fait traîner dans mon ghetto bag aussi. Mais bon, pour l'utilisation fréquente qui le concernera directement, ce sera dans mon sac de rando. Je peux très bien, ouais, m'amuser à en prendre deux. Ça fait 900 grammes. 900 grammes, c'est vraiment que dalle. Et voilà, me confectionner un tarp d'une envergure conséquente avec. Alors bien sûr, pour les connaisseurs, une fois qu'on va clipser les pressions ensemble pour joindre les deux ponchos, ça permettra pas tous les types de montage tarp. Il va falloir s'arranger pour que ça ruisselle convenablement. L'appentis sera parfait, par exemple. Mais en fonction des milieux dans lesquels on se trouve, ce sera peut-être pas le montage le plus approprié. Le canadien risque d'être compliqué parce que à la jointure, à l'endroit où on clipse, il y aura des interstices deformés, donc l'eau va s'infiltrer, ce sera peut-être pas le meilleur. Tous les montages sont pas possibles avec, mais si ça peut m'éviter de porter un tarp d'un kilo, ou un peu plus ou un peu moins, ça dépend des modèles qu'on sélectionne et du prix qu'on lui accorde. Un tarp, ça peut coûter très cher, comme ça peut être une simple bâche et coûter quelques euros. Le fait est que le poncho fera le travail que le tarp ne fera pas. Donc si vous êtes, comme moi, on va dire, très concerné par l'encombrement et le poids, peu importe les raisons, pour ma part c'est pour des raisons médicales, je ne peux pas me permettre d'être chargé comme un mulet. Si je peux me permettre tout simplement de m'éviter de porter un kilo sur le dos ou de le remplacer par quelque chose de plus essentiel à mon sens, tel que un litre de flotte, et ben je vais le faire. Et prochainement sur le terrain, je vous montrerai ce qu'on est capable de faire avec deux ponchos et donc nous éviter de nous trimballer un tarp qui serait peut-être pas utile. On peut faire dans le cannibalisme entre guillemets et dans le minimalisme sur notre équipement pour X raisons. Et bah, si je devais m'essayer à ça, bah ce serait deux ponchos jumelés en guise de tarp. Soit l'un en appentis en guise d'abri et l'autre en tapis de sol,
peu importe, mais absolument, absolument tout un tas de choses sont possibles avec cet outil qui coûte trois fois rien et qui vraiment vous aurez un retour de qualité. Je vais vous joindre quelques photos pour vous montrer ce qu'il est, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire tout simplement. C'est rien de folichon, tout simplement vous montrer l'envergure des deux ponchos une fois jumelés. Et voilà, je vous laisse tout simplement réfléchir à ce sujet et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez le contenu si ça peut éventuellement intéresser des gens qui sont sensibles à ce genre d'activité et donc par conséquent à ce genre de produit. Bah, ça me fera toujours plaisir et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.